vidéo, je vais l'envoyer à ma mère, elle va être morte. Tous les gens, ils viennent ici, quoi, ils viennent en Belgique, gros. Regardez les gars. C'est en haut de la Belgique, mon gars. C'est comme quand t'es sur le toit du monde, gros. Il va vous accueillir dans son bureau, c'est très très rare. C'est un honneur. C'est un honneur, votre majesté. C'est bon, quoi, gros? Ça va, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça va, l'équipe, fait plaisir de te voir, mon gars. Putain, bien vu à Bruxelles, hein. Ouais, c'est ça la Belgique, gros. On va te boire une bière ou quoi, c'est ça la Belgique? Direct? Une petite bière, gros, moi je dis pas non. Hein. Allez, c'est parti. Tout le monde parle la France en Belgique, gros. On parle français, anglais et néerlandais. Et un peu d'allemand aussi. Waouh. On parle pas belge. Faites quoi dans la journée en Belgique? Quand vous levez, c'est quoi la journée typique, gros? Nous, généralement, le matin, on boit une bière, tu sais. Puis après, on mange des frites. Pour de vrai, c'est quoi le premier truc que tu nous fais visiter, gros? Bah, le premier truc que je vous fais visiter, c'est les plus grosses boules de Belgique. Les plus grosses boules de Belgique, ouais. C'est quoi? C'est genre des boules de pétanque? Est-ce que c'est chez un particulier ou c'est... Non, c'est plus gros encore. C'est vraiment, c'est plus une structure, c'est plus un bâtiment, un monument. C'est un projet, okay. Un pot des boules. Okay. Non, c'est très spécial. Merci, Jack, de nous emmener visiter la Belgique. Hein. Ouais, il nous emmène rue Ascot. Martin, il a dit que c'était sa rue préférée. À chaque fois, il me parle de ça, il me dit ouais, un jour je vais t'emmener là-bas, mais je sais toujours pas ce qu'il y a là-bas, gros. Tu parles de quoi? Les attractions à rue Ascot. Ah ouais, ouais. Allez, on y va, les gars. Allez, allez. Waouh! Hey, t'es marrant. Waouh! Dingue, mon gars. Allez, c'est bon, mon gars. T'enverras ça à Madaron, gros. Ouais, de ouf. À chaque fois, il dit on va passer de photos. Je sais pas si t'as déjà vu ma vidéo avec Oliver Tree, où on explique que la Tour Eiffel, c'est un truc alien. En fait, tout est relié, tout est un peu pareil, tu vois. Ça y est, il y a ça. Il y a le truc en Belgique, il y a la Tour Eiffel, la Tour de Pise, le Grand Canyon. En fait, à l'époque, les aliens, faut savoir, ils étaient beaucoup plus développés que nous. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des trucs attractifs. Et là, tous les gens du monde entier viennent visiter les trucs comme ça. Et en fait, quand tout le monde est autour, c'est ça qui fait une force. Et l'objet se sert de cette force-là pour collecter les données humaines. J'ai déjà entendu parler de l'énergie libre. L'énergie libre, c'est une énergie qui n'est pas... Tu peux pas la consommer entièrement. C'est-à-dire que t'as pas besoin de quelque chose pour fabriquer cette énergie. En fait, c'est un truc qui pourrait sauver le monde, gros. Et ça, y a que les aliens qui l'ont. Et c'est comme ça que ça marche. C'est l'énergie libre, gros, des gens qui active bah, les bâtiments comme ça, gros. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on peut y aller, gros. Ouais, est-ce qu'on se roulerait pas un petit pet avant? Ah, gros. Ah, mon gars, le truc rouge là, mon gars. Tiens mon pilon, toi. Tiens mon pilon, mon gars, tiens. Mais toi, tu dis rien, tu caches tout, gros. Tu nous as montré les vieux trucs avec les boules, mais ça, c'est incroyable, gros. Attends, on a refait. Genre, c'est moi le président de la Belgique. Ouais, vas-y. Hop. Ouais, mais ça, vous êtes des malades, gros. Ouais, je vois comment ça marche, gros. C'est bon quoi? Ouais. Attends, devant le truc rouge. Moi j'adore le truc rouge. Ouais. On verra sur mon mail, gros. C'est le meilleur endroit de Belgique pour fumer un spliff, gros. Plus les gens ils nous prennent en photo comme si c'était une œuvre d'art, gros. Ouais. C'est parti de l'œuvre d'art. C'est peut-être aujourd'hui qu'on est devenus des vrais artistes, gros. Bon, les gars, c'est une petite surprise. Comme on a un peu de temps, je vais vous emmener dans un endroit qui est super important. Vous savez, ici, on est à Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et voilà, c'est un endroit qui représente vraiment toute la construction européenne, tout ce qu'il fallu mettre en place après la guerre pour pouvoir s'entendre entre les peuples et créer une société démocratique de demain. Et l'endroit qui est là, il est important, il est symbolique. Je suis super fier de vous le montrer. Donc, bah, je vous propose qu'on y aille, quoi. Allez. OK. En fait, c'est un parc d'attractions pour les... Des gens réduits par la physique, gros, par des lasers bioniques, gros. Ça, c'est des gens qui ont été lilliputés, on appelle ça, je crois. T'es mal, il y a la Tour Eiffel, il y a tous les gros trucs, gros. Ben, j'ai pas vu d'auto-école, tu vois, les lilliputiens, ils passent le code aussi. Hop là, c'est parti, mon gars. Hop là. Putain, gros, alors là, il est parti, hein. Oh, le voilà. Hey, c'est le défilé du pilon, mon gars, il est refait. Hey, c'est un des plus beaux moments de ma vie, Rico, là. Ça arrive qu'une fois dans une vie, ça Rico, prends ça en photo, gros. Hey, récupère-le, mon pote, parce que. On va pas le laisser non plus, il faut le récupérer. C'était un souvenir de malade, belle expérience, mon gars. J'ai trop kiffé. Je dirai jamais ça, moi. Et ça, la vidéo, je l'ai envoyée à ma mère, elle va être morte, gros. Imagine, gros, nous, avec la taille qu'on fait pour les lilliputiens, si jamais tu balances des trucs et tout, c'est comme s'il y avait un tsunami chez eux, gros. Un petit pas pour Rico, un grand pas pour les lilliputiens, mon pote. Ça, et ça, tu pourras nous emmener en vrai. Tu veux voir cette place-là en vrai? Bah ouais, gros. Ça, c'est la grande place de Bruxelles. Regarde-moi. T'as encore une, gros. Regarde-moi. Ouais, trop lourd, gros, viens là. Ramène ton cul, gros. Après, ils vont encore t'attraper, ils vont dire le Rico, ils foutent la merde. Non, en vrai, Martin, je comprends même pas ce qu'on fout là, hein. Franchement, c'est quoi, c'est l'air? Est-ce que quand tu viens en Belgique, c'est obligé de venir ici? Tous les gens, ils viennent ici quand ils viennent en Belgique, gros. C'est assez connu, ouais. C'est assez connu. Putain, t'es même regardé, c'est le cimetière des lilliputiens morts et tout. En même temps, gros, les lilliputiens, ils meurent aussi, gros, c'est comme tout le monde, hein. Ouais, ils sont pas éternels, mais en vrai, ça prend pas trop de place. Non, c'est rentable. Attends, et Martin, viens, on va faire une minute de silence. Il faut se recueillir, gros, pour les lilliputiens. On se met là. Ça ne te reste.
semble pas de louper le spectacle. Bon les gars, là je vous ai ramené chez un spécialiste. C'est quoi les grosses saucisses là gros? Ça c'est des fricadelles. Là c'est une famille de forains très connue. Ça c'est les meilleurs frites du monde gros. Ah, c'est parmi les meilleurs frites de Belgique ouais. Alors. Bah ça je suis dépaysé gros. C'est quoi la sauce là? Ça c'est la sauce samouraï. Moi je prends samouraï. Samouraï ouais. Ouais vas-y gros. Sauce plus mayonnaise. Ouais c'est ça, c'est parfait mon gars. C'est ça en fait, les Belges ils mangent des frites toute la journée gros. Je trouve ça merde mon gars. C'est là. Au moins ils sont pas là en mode on mange quoi ce soir? Ils savent qu'ils mangent des frites tous les jours. Mange des frites mon gars. Des frites gros, des patates. Hop là, je suis un photomaton. Voilà. Hop là. T'imagines si je faisais payer gros, je pourrais en acheter des frites, hein. Ça serait un délire. En tout cas, depuis que je te connais, t'as toujours été très proche de tes fans. En vrai, quand je les vois, c'est toujours un plaisir. Regarde. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est des croquettes de fromage. Je sais pas c'est quoi le fromage dedans, mais... Je sais pas, mon gars, t'as en train de créer une émette, là, c'est l'histoire d'un oiseau qui aimait un peu trop la cocaïne. Quoi? La cocaïne. Mais quel plaisir. Tu peux me tenir, je vais juste acheter un paquet de cartes. Des paquets de 3 cartes là. Je vais vous prendre un comme ça. Est-ce que on peut abîmer? C'est pour pas l'ouvrir, tu vois. T'as reçu la carte Charizard que t'as fait avec Michou? Bah encore gros, la poste, c'est un délire gros. Ah ouais? Ouais, c'est trop relou. En plus, la carte, gros, ouais, c'est gros Dracofeu. Celle-là, je l'ai pas, mon pote. Merci beaucoup. Allez, la bise, les gars. Je voulais te faire ouvrir un paquet, gros. Ah ouais? Peut-être que tu vas me faire porter la chance, gros. Eh, tu sais que j'ai jamais ouvert de. Bah justement, gros. Ah ouais? Et souvent, les gens, quand ils ouvrent le premier, gros, ils ont de la chance. Mon œil avisé, c'est déjà que peut pas y avoir un truc de ouf dedans. Ah non? Non, tu seras petit, gros, et change après. Ouais, la river, c'est là derrière, y'a rien, gros. Derrière? Ouais. Ah, casse les couilles. Vas-y, bah du coup, tu peux la garder pour toi, gros, ça fait plaisir. Bah, j'ai un matoufeu quand même. C'est vrai? Bah, si il te fait plaisir, c'est le principal, mon pote. Bon, les gars. Ouais. Arrêtez-vous tranquille. Là, c'est le monument le plus emblématique de Bruxelles. Vous savez ce que c'est? C'est le mec qui pisse, ça? C'est le petit mec qui pisse, le mannequin pisse. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour le voir. Et c'est grand? C'est où? Vous êtes prêts? Ouais. Ouais, c'est où? Je vous laisse le découvrir, attention. Venez avec moi. Tiens, viens voir. Venez. Regardez. C'est le vrai? C'est le vrai mec qui pisse, ça? Putain, il est pas terrible, gros, mais ça veut dire, c'est pas mal. Parce que si vous faites du merch, la Belgique, vous pouvez le vendre à taille réelle, gros. Les gens, ouais. Ils peuvent l'emmener dans le bagage. Mais tu vois, en vrai, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu, gros. Parce qu'en vrai, moi, je vais à la rue de la soif en Bretagne, gros. J'en vois partout des mecs qui pissent, moi. Pardon, les touristes. Vas-y. Ah, désolé. Allez, c'est bon, mon gars, c'est bon. Tu peux me prendre avec la dame aussi en photo? Ouais, vas-y. Là, il nous reste des surprises. T'as dit que t'avais une surprise tout à l'heure. Ouais, y'a encore des surprises. Mais en plus, t'as dit qu'on devait aller à la rue à squat aussi. Allez. Bon les gars, on est sur la Grand Place, c'est l'une des plus belles places du monde. C'est un endroit mythique ici à Bruxelles. Et du coup les bâtiments ils sont marrants, ils sont... il y a de l'or et tout dessus genre. J'ai jamais vu un sapin aussi grand gros. Ouais c'est lourd hein. Regarde, il a un parapluie espagnol. Waouh. Salut. Est-ce que t'en as d'autres avec d'autres drapeaux? Wow. Oh le génie. Rico, tu peux me prendre en photo? Ça bouge pas. Ouais. Eh, c'est le plus beau jour de ma vie en vrai gros. C'est le frérot gros. Bah, bon les gars, juste on est sur la Grand Place, c'est quand même d'un point de vue architecture, c'est quand même beau quoi. Enfin, il y a les sapins, c'est chouette, mais c'est pas, les sapins il y en a partout. Non mais c'est vrai que c'est joli gros. Est-ce que c'est du vrai or? Oui, c'est du vrai or. Alors justement, l'or se reflète en fonction de la journée, hein, selon la lumière. Si c'est mardi, ça reflète, et si c'est mercredi, ça reflète pas trop, c'est ça? Il y a personne qui a jamais essayé d'en voler gros. Ah ouais? Non mais... Oh, on peut gratter les murs un peu, non? Au niveau de l'architecture, ce qui est intéressant justement, donc c'est vraiment, on est sur une architecture gothique. Et j'allais le dire pour rigoler en plus gros. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est vrai. Les mecs qui coûtent du métal et tout, ils ont fait ça, c'est lourd. Voilà, c'est ça. Et les gens, ils badaient gros. Ça, c'est un délire qu'on a avec Rico, c'est des fois, on est dans des endroits où tu vois, il y a du monde et on crie et on fait genre, c'est pas nous. Regarde, ça, c'est ça, c'est ça. Tu vois, ça s'est arrêté, il n'y a plus de bruit d'un coup, tu vois. Alors les gars, vous voyez le bâtiment qui est juste ici derrière là? Le bâtiment magnifique là. Ouais. C'est celui qu'on a vu ce matin en tout petit. Ah, c'est une astérie. C'est celui de petit. C'est celui dans Seigneur des Anneaux. Mais t'es un délire, c'est comme si on était devenus les Lilliputiens, gros. C'est ça. Regarde, regarde, si on bouge plus, c'est pareil. À l'intérieur, il y a une double surprise. Attends, on peut rentrer dedans, gros? Exceptionnellement. Mais c'est une église. Non, c'est pas une église. Il y a des prêtres là-dedans. C'est un hôtel de ville. C'est tu peux dormir dedans. C'est des gens. Il y a des lits et tout, c'est un hôtel de ville, c'est. Non, gros, c'est comme à Paris, gros, il y a un truc qui s'appelle l'hôtel de ville. C'est pour dormir. Il y a juste une meuf qui dort dedans, c'est la chef de Paris, gros. Et c'est qui habite là-dedans, du coup? Alors, oubliez pas un truc important, les gars, c'est ici, en Belgique. La Belgique, c'est une royauté. C'est qu'en Belgique, nous, on a un roi. Ah ouais? On a un roi et on a aussi un premier ministre, donc c'est un système politique un peu complexe. Et ici, le maire de Bruxelles, on l'appelle le bourgmestre. Et là, c'est la maison du maire du bourgmestre, du maire de Bruxelles. Ça, c'est le palais du roi. Là, lui, le roi. Non, c'est pas l'heure. Je vais vous expliquer. Yep. Ok, les gars. Donc là, ici, on est dans l'hôtel de ville. C'est déjà une chance incroyable d'être ici. Tu nous emmènes voir la secrétaire, c'est ça? Non, beaucoup mieux que ça. Est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière cette porte? Un H? Non. C'est une piste d'hélicoptère. Oh non.
C'est une piste d'hélico. C'est ça, gros. Non, c'est pas une piste d'hélicoptère. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est la tour. Ah ouais, ce truc en haut. C'est la tour. Ça, c'est ça la surprise. Regardez les gars. Waouh. Mais c'est des escaliers, gros. On peut monter dedans? Vas-y, vas-y. Putain, ça veut dire on va pouvoir caresser les gargouilles. Ah ouais, mais c'est nuit ici. Ah ouais, mais t'as pas un flash, gros. Attends, attends. Il y a une petite porte ici, mon gars. Un homme fort portant, il pourrait pas marcher ici. Hein. Personne n'était monté aussi haut en Belgique, gros. Et quoi, même Johnny Hallyday, gros, il était pas monté aussi haut. Sans blague, mon gars. Mais bon, s'il avait eu de la coke, il serait sûrement allé tout en haut. Ouais, il serait allé en volant, mon gars. Ouais, je pense bien, gros. En vrai, c'est pas toi qui as dit qu'il y avait beaucoup de trucs en réparation en Belgique. Parce que là, on commence à être 2 km en hauteur, gros. Fais-moi la caméra si tu veux, j'ai filmé, attends. Allez, Rico, fais-nous le plus beau plan de la vidéo. Là, on voit la ville de la Belgique. Et du coup, nous, on est dans les escaliers, là, comme ceci. On voit rien du tout, mon gars. Et là, il y a le toit, en fait. Là, t'écris quoi, on est plus très loin des nuages, hein. Ah ouais, attends. Ouais, à quelques mètres près, on pourrait chez toi un nuage. T'imagines, tu l'attrapes, gros, tu le mets dans un tupperware et tu le conserves comme ça. Ah ouais, tu le mets dans le congélateur, gros. Et ah, ça pourrait se revendre cher, gros. Ah ouais, c'est une dinguerie, mon gars. Des bons nuages, mon pote. Et tu nous emmènes où, Martin, là? Waouh. Et wow. J'ai compté, il y avait 336 marches, gros. Ah ouais. Le mec, je suis calmé. Waouh. Ah ouais, c'est ici, mon gars. Gros, il y a la plage juste là, regarde. On voit pas encore assez, gros. Eh, viens, Marc. T'as le vertige ou quoi? Viens là, gros. Prends une vidéo, c'est pour mon sommet avec le poteau Rico. Mon gars. On est là. C'est là. Tout en haut de la Belgique, mon gars. C'est comme quand t'es sur le toit du monde, gros. Ah, regardez là-bas. Ah. Lolo. Quoi? Là-bas, tout au bout, là, tu vois? Ouais. C'est le palais de justice. Ça fait, je crois, plus de 40 ans qu'il est en travaux. Et ça sert à quoi? Bah en fait ils arrivent pas à le rénover pour des problèmes d'argent. Et du coup ils ont mis des échafaudages pour faire tenir les échafaudages. Wouah la dingue, gros. Ah ouais. Mais pourquoi ils font pas des spectacles de rue, tu sais, payés au chapeau, gros? Et ils diraient voilà, c'est payé au chapeau les spectacles pour reconstruire ça, gros. Hey vrai, ils savent pas où ça vient, mon gars. Après, on aurait dû ramener un haut-parleur, mon pote. Et un mégaphone, gros. Et là, il faudrait qu'on se fasse un gros pilon tout en haut, mon gars. Ah ouais, c'est vrai qu'on le fait pas assez, ça, gros. Tu vois? Ça c'est les canapés galeries, gros. Ça, ouais, tu peux t'asseoir ici, t'en fumes un, gros. Ouais, regarde. Et quand tu t'assois, c'est... Et regarde, c'est fait exprès pour fumer, gros. Parce que quand tu t'assois, c'est là, voilà. Tu vois, t'as la vue, gros. C'est ça, mon gars, tu peux là, tu prends... tu sens comme ouais, ça. Ouais, tu sens comme ça, tu peux le poser ici, ton péto. Ouais, c'est là, bien. Gros. En vrai, ils ont tiré. Max. Et Martin, c'est lui le roi de la Belgique? Non, pas tout à fait. Ça, c'est pas le roi, ça. Il a une dégaine de roi, en vrai. Parce que le mec qu'on m'a capté tout à l'heure, il a un sap. T'imagines, il a une collection de sap. Imagine, il a sapé comme ça. Comme ça, il est dans son bureau, comme ça, en mode, les gars. Tu sais, quand tu vois ça, t'as trop envie de faire un. Et t'es comme ça, t'as un mode. Oh voilà. Voilà. C'est vrai que ça donne trop envie. T'entends, c'est. On va rentrer dans le conseil communal. C'est là que toutes les décisions politiques se prennent à Bruxelles. Ah ouais, on peut rentrer. Allez-y. Du coup. Vas-y. Du coup, c'est là le roi, il décide tout et tout. Et là, regarde, tu cales un gros Fortnite là-dessus, là. Ah, t'es pépé, gros. Ah ouais, c'est pour faire des lans, ils se mettent tous ici. Et là, en fait, ils jouent à FIFA, gros. Là, ici, c'est la salle du conseil communal. C'est là qu'on prend toutes les décisions pour la ville de Bruxelles, ici. Vous voulez vous asseoir à quelque part pour s'en passer le loin? Hop là. Nous sommes réunis ce jour pour passer la loi sur le cannabis légal au sein de toute la planète. Exactement. Voilà, donc je vais vous demander de voter tous pour cette loi. Ouais, si de vous... manière positive. Voilà, et vous savez que si vous votez pas, les choses vont se suivre. Si jamais des gens sont contre la légalisation du cannabis, eh bien, ils seront exécutés sur la place justement où on était tout à l'heure. Voilà, c'est la ça. Place, la grande place, voilà. De la Belgique. Enfin, si quelqu'un a une objection, qu'il le dise maintenant. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la weed va être légalisée. Merci à tous. Ah, c'est bien ça. Allez, voilà. Lolo, si ça se trouve, c'est peut-être la dernière promo de ta vie, celle-là. C'est la dernière promo de ta vie, là. Ouais, je sais pas, gros. En vrai, j'ai encore envie de faire des trucs. Là, il y a des trucs qui arrivent aussi après, gros. Mais en tout cas, c'est ma dernière promo en Belgique. Quoi, les derniers messages que tu as voulu faire passer au monde entier? Dernier message, gros. Moi, je voulais juste montrer déjà que c'était solide, gros. C'est là sur l'album, il y a des gros refrains. Il y a des sons qui t'enjaillent. Il y a des sons qui te font réfléchir. Il y a des sons qui te rendent triste, gros. Et moi, c'était une mission pour moi, c'était de réussir à faire passer les gens par toutes les émotions. Et là, quand je vois des gens, ils me disent, ouais, j'étais trop touché et tout. Ou genre, j'ai pleuré sur le son et tout, mec, moi, je suis chez toi, gros. Tu sais, je voulais faire un truc que j'avais pas fait encore. C'était plus ça. C'était pas un message, c'était faire des trucs que j'avais pas encore fait, gros. Quand tu vois les gens, ils sont touchés par la mort de Coco, qu'est-ce que tu. Tu sais que c'est un sujet que t'as pas trop envie d'aborder parce que ça te. Non, ouais, tout, mais... non, c'est sûr, en gros. Mais là, je commence à avoir l'habitude, on en parle beaucoup, gros. Et puis le son est carton, gros. On était deuxième sur Spotify, c'est une dinguerie. C'est un son que je faisais pour moi, gros. Et je pensais pas que les gens, ils allaient comprendre ma peine ou même être touchés par l'histoire de mon perroquet décédé, gros. Moi, je parle de mon perroquet, il est décédé, gros. J'ai fait une chanson pour lui. Et aujourd'hui, voilà, c'est le moment du bilan. C'est quoi le dernier regard que t'as sur ta carrière? Franchement, beaucoup de fierté, gros. C'est là en plus on a fait ça entre nous, tu vois. Moi j'ai jamais été là à sucer des bites, tu vois ce que je veux dire. Du coup de voir que tout s'est passé comme prévu et qu'on est là, on arrive à la fin, gros. Non mais j'ai trop content. Surtout qu'on a fait de mieux en mieux, gros. À chaque fois,
Chaque album, gros, on faisait de plus en plus de ventes en première semaine. Là, on a fait 35 000, mon pote. T'imagines? C'est presque un disque d'or, au moins pour moi, c'est incroyable. Du coup, en vrai, je porte un regard satisfait sur ma carrière. Tu sais, je pense que je referais tout pareil en pire, gros, si je le faisais. Mais en vrai, je referais la même chose, les mêmes choix et les mêmes erreurs. Parce que c'est ça qui était bien dans le projet. Ça, c'est la première fois de la journée où tu me fais des questions d'interview, gros. Moi, je pensais j'étais là pour faire le touriste. Ça fait du bien d'avoir un moment calme parce que, comme tu peux voir, écoute, les hommes se reposer un peu, gros. Tu me donnes presque envie de me mettre avec toi, gros. Il y a les bouffons, comme dans les dessins animés. Ah oui, il y a le mec qui fait la musique aussi. On pourrait passer la journée ici, en vrai. Les gars, vous avez fait quoi? Ah bah non, on a tapé une sieste à l'hôtel de ville, gros. En fait, tu crois qu'il faut s'agenouiller et tout quand tu rencontres un roi? Bah, en vrai, je sais pas, c'est comme dans les films, ils font ça, tu sais. Après, il va nous adouber. S'il a son sabre, ouais, il peut peut-être nous sacrer chevalier, gros. Grosse épée sur l'épaule et sur la tête, gros. Quand t'es chevalier, gros, bah t'as des droits que t'as pas le droit quand t'es pas chevalier, gros. Mais gros, imagine on devient chevalier aujourd'hui. Eh, ma daronne, elle m'a serré, je lui ai raconté ça, gros. Imagine, il nous fait un cheval de prêt. C'est comme, tu sais, quand tu travailles dans des sociétés. Ouais. T'as une voiture de prêt, une voiture de société. Bah là, peut-être qu'ils vont nous prêter des chevaux, gros. Ouais, chevaux, on va être là. Bouclier, tout. Moi, le mien, je lui mettrai des phares. Vous faites quoi, là, exactement? Bah, on attend, là, c'est une petite sieste. On se prépare à rencontrer le roi, gros. On va y aller. On va se faire adouber, ça y est, là. Vas-y, gros. Ah ouais, c'est lourd. Y'a pas sauvé trop vite, sinon la tête qui tourne. C'est ce que j'appelle une sieste réparatrice, mon pauvre. Rappelle-toi, les phares sur le cheval, incroyable. C'est très fou, mon gars, les tignes en dessous. T'as un klaxon sur ton cheval. Un phare de suspension, mon gars. Un cheval qui marche à cloche-pied. Là, vous allez avoir une rencontre extraordinaire. C'est qui? Je vous rappelle, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le maire de Bruxelles, on appelle ça le bourgmestre de Bruxelles. Il s'appelle Philippe Clause. C'est le chef de Bruxelles. C'est lui le chef? Ouais. Ah ouais? Et nous, on va lui parler, gros. Ouais. Mais c'est le chef de toute la Belgique du monde et tout? Non, de Bruxelles. C'est la première fois de ma vie que je parle à un chef. J'ai jamais parlé à un roi. Et du coup, il sera avec son épée et tout, avec sa tenue militaire et tout ça? Je sais pas très bien. Peut-être qu'il est en congé aussi, gros. C'est peut-être qu'il met ça que pour la télé. Ah oui, j'avoue. Bah ouais, gros. Il est en claquette, tranquille, on va voir. On va parler à un homme de pouvoir, gros. Venez, suivez-moi, suivez-moi. Allez, on va là. Vas-y, il faut bien présenter en vrai. Attends, t'es mou devant. Moi, je pense que je vais arriver, gros. On me dit que c'est un honneur, gros. Ça, c'est un mot bien, ça. Honneur. Je crois qu'il faut se mettre à genoux et tout. Juste un genou. Un seul genou. Juste ici, là. Là, le roi. C'est la dernière porte. Ouais. C'est le maire, c'est le bourgmestre de Bruxelles. Ok, le grand chef. Le grand chef, mon gars. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'autant de pouvoir. Il va vous accueillir dans son bureau, c'est très très rare. C'est un honneur. Ça se passe juste ici. Ouais. Je vous laisse avec lui, les gars. Allez-y, allez-y. Je suis stressé, gros. Je suis plus stressé que pour les concerts, gros. Ouais. Et voilà, bonjour. Vous allez bien? C'est un honneur, votre majesté. Moi de mai. Wow. Ah oui, vous voyez. Je vous touchez. Vous avez déjà vu en photo devant ma ligue de piste? Incroyable. Je vois le mec qui pisse là, ouais. Ouais, et ça c'est votre bureau personnel. Ouais, c'est bien repas. Première fois à Bruxelles? Non, on est mis en fumée des longs et des larges et des grands et des pas mûrs partout ici. Partout. La Belgique, on adore ça. Je vous écoute beaucoup ici. C'est vrai? Ouais, ouais. Bah, en parlant de ça, je vais ramener ça. Ah. Je voulais absolument que quelqu'un des forts politiquement puisse écouter ma musique et propager le message au niveau du cannabis. Bah voilà. Écoutez, vous tombez bien, moi je suis un maire qui promeut qu'on légalise le cannabis. C'est vrai, bah, vous savez que ça c'est un CD fumable. C'est une première fois dans le monde. En gros, tu peux découper la pochette en ton cas et dedans, t'as un truc pour les déjoints. Ouais. C'est ça. Et ça, vous allez vous éclater pendant vos réunions avec ça. Je suis pour la libéralisation, c'est pas pour ça que je suis pour la promotion non plus. Ouais, non, ça, je vous laisse faire. Ça, c'est deux choses différentes, chacun son métier. Ah oui, c'est vraiment tout. Vous avez vu, là, tu peux voir, c'est marqué. Jamais mieux rouler par soi-même. Une boîte qu'on ferme, on peut mélanger son bail dedans, et là il y a le petit. Voilà. Et là tu peux mettre la feuille. On t'apprend rien. Je vais crôler l'interpellation là. Mais il est où le CD? Il est là. Ouais. Déjà, on fait encore des CD? Mais bien sûr, on en a vendu plus de 25 000. Est-ce que ça c'est un bureau de grands décisionnaires? Ah, je sais pas, mais là vous avez des artistes rock qui sont là. C'est pas du rap. Ah ouais, c'est qui Jean? Mais non, même alors, pas. Ah ouais, alors, il y a Lémi ici, il est là aussi. Lémi qui est le mystère. Ah ouais, voilà. C'est un vrai lui. Regarde, le roi il adore les pop. Voilà. Derrière c'est les moins rappeurs. C'est le roi et la reine. Ah, c'est le roi et la reine. Ah, c'est le roi ça. Ça c'est Iggy Pop. Moi j'ai vu une photo. Ah oui, Iggy Pop et tout. J'ai vu une peinture en bas. Très belle peinture avec quelqu'un qui avait un sabre, une épée. Ah bah il y a même Bonaparte qui était là en bas. Mais est-ce que lui il a l'épée aussi? On a une épée, mais on l'utilise pas beaucoup. Ah ouais, d'accord. C'est plus symbolique. Ah ouais, c'est pour adouber les chevaliers et tout. Incroyable. Voilà. C'est une épée, normalement on la mettait à notre ceinture parce que. On met une ceinture avec les couleurs nationales et normalement, historiquement, on mettait l'épée dedans. Maintenant, on n'en avait plus, évidemment. Ah oui, ok. Maintenant, il y a des Kalachnikov. Vous voulez savoir ce que ça fait d'être chef, Lorenzo? Ah ouais. Allez. Je vais m'asseoir. Non. Et pourquoi nous, en France, on n'a pas des rois comme ça? Parce que vous leur avez coupé la tête. Ouais, on est des salauds, non? Est-ce que c'était votre copine, la reine d'Angleterre? Je l'ai pas connue. Ah, vous l'avez pas connue? Non. Ouais, et moi, vous savez, moi, j'étais devant chez elle 3 jours avant que ça arrive.
Ouais, bon. C'est vrai. Ouais, je t'enverrai la photo, Martin, photo à la pluie, j'étais devant chez elle 3 jours avant qu'elle décède. Mais c'est pas vous, c'est pas votre. Ah non. Ah, toi, c'est là, Erico. Vas-y. Erico, là, tu mets un petit tardé gaming, et là, je suis là, grosse Fortnite, bam, gros top 1. Faites votre pose la plus grande. Ah, comme ça. Ah, voilà. Incroyable. Bon, ravi de vous avoir rencontré. Ah, merci à vous, monsieur le grand chef. C'est la première fois de ma vie qu'on rencontre quelqu'un de pouvoir comme ça. Merci. Continuez vos morceaux. Merci beaucoup. Vous êtes parfait. Merci beaucoup. Vous voulez pas me lâcher, au revoir. Salut, hein. Merci beaucoup. Merci. Quel poignet de main. Vous avez toujours une main dispo dans vos chansons, c'est ça que vous dites, hein. Ouais. On a je dirais pas au... pourquoi, sinon je vais... On a affaire à un de nos plus fidèles auditeurs. C'est ça, mon gars. À bientôt. Allez, salut, à bientôt, salut. On va vous emmener dans un petit bar secret, on appelle ça un estaminet à Bruxelles, vous allez devoir le trouver, il est quelque part ici dans la rue. C'est pas lui là. C'est pas le truc secret là. Ce serait trop simple. Ah ouais, trop simple. Ouais. Ah ouais, c'est par là. C'est là. Ah, c'est là en fait. C'est quoi, on dirait une ruelle pour aller faire des trucs bizarres, moi. Les gens qui prennent du crack, ils sont juste là. Tu devrais prendre du crack, Martin. Regarde, donc ici on est dans ce qu'on appelle un estaminet. On va faire goûter une spécialité qui n'existe que à Bruxelles. Ça s'appelle le lambic. Ok les amis, je vais faire goûter un truc très très spécial. C'est ça le vin de haute gueuse là, c'est ouais, ça. Ouais, c'est le lambic, c'est une haute gueuse. C'est une vieille gueuse. C'est la vieille gueuse, mon gars. Ouais. Ça peut être la gueule ou quoi ça? Non, c'est pas très fort, c'est la fermentation naturelle. C'est et... combien ça? Puis c'est refermenté en bouteille après. C'est combien de degrés? Oh, c'est 6,7. C'est rien. Ils auraient pu en vrai. Ouais. Ils auraient je croyais que c'était à 37, mais c'était les sorties. Ça, on trouve ça qu'en Belgique. Et on trouve ça qu'à Bruxelles même, parce qu'en fait, c'est fait avec de l'eau qui coule dans la vallée de la Seine. Et ça crie pas comme la Seine, comme à Paris. C'est écrit S-E-2-N-E. Le monde entier se l'arrache. Les Américains achètent des bouteilles une fortune. Ça là. Et moi, si j'en achète, je peux les revendre sur eBay. Ouais. Wow. On appelle ça le champagne de la bière. Vas-y, claque ça, mon gars, claque le champagne. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Vas-y. Waouh! Wow. Ouais, c'est bon. Et lancer des choses maintenant, quand même. Dis ça. Attends, c'est beau. Ça, à boire avec modération, bien sûr. Modération qui est un ami. Alors, le... Non, il faut les... Ouais, ça pique, hein. Ça goûte le vinaigre. Est-ce que ça goûte le vinaigre? Non, mais attendez, parce que... C'est bon, en vrai. Je peux en avoir un peu? Ouais, mais il faut la déguster. Quoi. Ça se déguste. T'as vu, ça pique un peu, mais c'est pas mal, hein. Waouh. C'est parce que... C'est dégueulasse. Ouais, il est trop bizarre, gros. Bah, santé, du coup, quoi. Santé. Bah, tu m'en sers un petit, même si elle est pas bonne, mais gros, moi j'ai la pâteuse de malade. C'est un savoir-faire ancestral à Bruxelles. Et c'est ça que les Américains, déjà qu'ils bouffent que de la merde, ils veulent boire de la merde aussi, c'est ça. Et c'est des malades ces Américains, gros. C'est vraiment une fierté chez nous, quoi, c'est bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça prend le temps de déguster, quoi. C'est des bouteilles qui ont vraiment. Faut pas le boire, non. Enfin, généralement, plutôt dans un verre. Regarde, on fait comme sur TikTok, gros. Non, ouais. ça non plus, mais ouais. Vas-y. Okay. Oh. Il est parti. Excusez-nous, madame. Rico, c'est toi qui as perdu, c'est toi qui le... Ah ouais, mais j'ai pas fini d'aller encore. C'est pas grave, regarde, je t'en mets une belle. Et vu qu'on est copains, eh ben j'en prends aussi, gros. Voilà. Voilà. T'en veux un petit peu, Martin? Ouais, c'est un plaisir. Hop là. Yes. Mais du coup, tu m'as pas dit, est-ce qu'on va y aller à la rue d'Ascot? Bon, cette journée est extraordinaire. Là maintenant, c'est le club du spectacle. On a fait une visite incroyable de Bruxelles, vraiment. Là, on est au plaisir d'hiver. On va aller sur la grande roue, la féerie de Noël, le marché de Noël, les lumières. J'ai vraiment hâte de vivre ça avec toi, Lolo. J'espère que t'es prêt. On va. Il est où? Ah, j'ai attendu ce moment toute la journée, gros. Cette jupe là, elle était fraîche. Ouais. C'est quoi, on fait la grande roue là? Ouais. Non, mais c'est trop dangereux, mon gars. C'est trop dangereux, tu te rends pas compte, mon gars. Martin, il veut pas y aller, Rico. Il a les boules, gros. Non, mais c'est pas les boules, c'est le truc des aliens, ça, mon gars. Parce que je vois ici, du coup. C'est à l'infini et l'au-delà. Waouh. Et c'est là, on voit tout Bruxelles au parc. Regarde, il y a le coucher de soleil et tout derrière. Et on dit pas Bruxelles. On dit Bruxelles. On dit Bruxelles. Ouais. Mais pourquoi ça s'écrit comme Bruxelles? Ah, tu sais, en Belgique, on aime bien faire les choses un peu différemment. Ouais, quoi. Je capte. En tout cas, j'adore cette ville. Ouais, en vrai, c'est trop bien, gros. Waouh. Et ça, c'est fermé, vraiment. Waouh. Maintenant que tu vas être à la retraite, tu pourrais faire une retraite en Belgique. Bah, t'es une retraite, c'est la retraite médiatisée. Les gens, ils ont vu ça comme une fin d'aventure, ce qui l'est, gros. Parce que là, dans un an, bientôt, on me verra plus. En fait, je voulais arrêter de faire des albums. C'est juste, voilà, c'est mon troisième album. Et une bonne fin à tout, et en fait, c'est ma retraite musicale. C'est pas forcément ma retraite de conneries, tu vois ce que je veux dire. Tous les morceaux que je devais faire, je les ai faits. Et en fait, là, si je faisais un album en plus, en fait, ce serait l'album de trop.
On est tout en haut de Bruxelles sur cette grande roue. On est avec Lolo, ça nous fait plaisir d'avoir vu avec Rico. C'est ça, hein. Merci pour la confiance, merci d'être venu nous voir à Bruxelles. Ouais, t'es le sang, gros, moi, ça me fait plaisir. En plus, on fait tout le temps des promos en France, alors faire une promo en Belgique, gros, ça fait plaisir. C'est pas tous les jours. Bah ouais. Et peut-être que c'est la dernière, on sait pas. Là, si je crache là, ça va tomber sur la tête d'un enfant, regarde. Ah, c'est tombé sur la daronne, mais c'était pas loin, gros.